Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 50 minutes exceptionnel avec Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Vous êtes député, président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale française, candidat à l'élection présidentielle en 2022, une très longue carrière politique déjà derrière vous. On est ensemble pour 50 minutes, hein. On va essayer d'aborder plusieurs grandes thématiques avec Jean-Luc Mélenchon. Alors, on va commencer par vous demander ce que vous faites finalement en Belgique. Vous avez répondu à l'invitation du porte-parole du PTB, Raoul Edebo, et vous allez participer à un débat avec lui à Manifiesta. C'était important de venir débattre avec lui. C'est son soutien, c'est votre soutien qu'il cherche, Raoul. Je ne sais pas si il a vraiment besoin de mon soutien pour avancer. Non, nous sommes liés, lui et moi, maintenant une forme d'amitié, de relation assez permanente. On se téléphone de temps à autre, okay. On fait le point. J'apprécie beaucoup son coup d'œil sur les événements. Et puis lui doit sans doute apprécier ce que je lui dis de ma façon de voir. Et c'est très important, vous savez, par rapport à une période qui était beaucoup plus froide, où les relations entre les organisations politiques étaient très protocolaires. Ouais. Et avec Raoul et sa manière de voir les choses, tout ça s'est substitué à un échange beaucoup plus direct auquel moi je crois. Oui. Alors ça concerne moins les partis de droite qui sont très habitués à des coopérations entre eux ou qui n'en ont pas vraiment besoin. Tandis que nous avons connu une période où nous étions intégrés d'une manière, il faut bien le dire, à la fin assez ridicule, mm-hmm. ces internationales mm-hmm. qui mm-hmm. mettaient mm-hmm. tout le monde au pas. Et puis ensuite on est passé par une période où plus personne ne se parlait ni ne se voyait. Et donc, vous voulez dire à l'échelon européen, vous voulez dire quoi, entre oui, partis européens, européen, oui. On pourrait dire mondial. Okay. Hein. Depuis peut-être une dizaine d'années, les choses commencent à se réchauffer, on se parle plus, on se voit plus souvent. Et c'est le cas entre le PTB et le PTB, l'équipe de Raoul et la nôtre. Donc ouais. Ils m'ont invité. J'avais pas d'autres invitations ouais, pour là. Ouais, ouais, j'ai ouais, dit bon, ouais. Bah, allez, je. Ouais. Je le fais, j'y vais, d'autant qu'on a tous les deux la même préoccupation sur la question de l'extrême droite. Et ces préoccupations, alors, c'est plus large que celle sur l'extrême droite. Est-ce que vous partagez une vision commune de la société avec le PTB? C'est l'extrême gauche, c'est ça? Oui, ça, ouais. Disons que je ne sais pas si c'est l'extrême gauche, parce que ce n'est pas difficile d'être extrême par rapport ouais. à la gauche. Vous n'aimez pas cette dénomination extrême gauche? Non, plutôt gauche pas, radicale, alors ou... Oui, on nous dit gauche radicale. Je trouve que c'est presque plus. C'est presque plus adapté parce qu'il y a le mot radical qui okay, va à la racine okay. des problèmes. Mmh, mmh, mmh. Le mot de gauche suivant les pays peut être tout à fait piégé parce que en France, la gauche pendant tout un moment, on tapait aux portes, on disait qui c'est alors, on disait c'est la gauche. Et non, on vote pas Hollande nous. Mmh, mmh, c'est-à-dire mmh, que les gens mmh, assimilaient mmh. L'idée de gauche à ce qu'était François quoi, Hollande. La social-démocratie quoi. Oui, mais enfin, c'est pas la social-démocratie belge qui est quand même plus avancée mm-hmm. Dans le réformisme social que la social-démocratie française qui s'est volatilisée dans le néolibéralisme, sa ligne structurelle. Ce que nous partageons avec le PTB, chacun à sa manière, il ne faut pas non plus raconter okay, l'histoire, okay, nous ne sommes pas okay, identiques. Il n'y a pas un parti commun. Non, ouais. On se parle, on se comprend. Bon, c'est l'idée que le modèle du capitalisme financier n'est pas la fin de l'histoire et qu'au contraire, l'humanité va chercher à tâtons une autre issue parce que la catastrophe climatique qui est le résultat de ce modèle économique, tout le monde comprend, y compris des gens qui ne sont pas de notre bord, oui. des gens oui, de droite, oui, 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 oui. qui sont de droite, qui sont anti-écolo, hein, bon, se disent non, ça ne peut pas durer comme ça, il faut trouver une sortie. Donc nous sommes en quelque sorte les éclaireurs du chemin du futur. Et je crois que c'est un rôle qui est compris par la société. Regardez les scores que fait le PTB. Ah, oui, oui, nous, oui. on apprend d'eux, hein, sérieusement. Vous apprenez sont... d'eux, oui, quoi dans quelle dimension? En quoi, alors? La manière de faire, le maniement de l'humour. Oui, ça, c'est clair, le second degré. Bon, oui, moi, j'ai théorisé cette question de l'humour dans un de mes livres, mais je trouve qu'il le pratique mieux que moi, parce qu'il réussit à en faire une manière d'interpellation des consciences. C'est-à-dire qu'il est capable de mettre de l'humour, Raoul, mais c'est toujours un humour qui fait penser. Ce n'est pas quelque chose qui abasourdit le raisonnement. Et je crois que ça, c'est le cas. Et puis après, il y a une certaine manière d'être, très ferme sur ses principes que moi, je trouve intéressant. Mais, Jean-Luc Mélenchon, une des critiques à laquelle le PTB doit souvent faire face ici en Belgique, et vous êtes confronté à la même en France, c'est qu'ils affaiblissent la gauche. C'est ce que dit le Parti Socialiste, ce que disent aussi les écologistes. Hein, les hauts scores du PTB, finalement, nuisent à la gauche puisque c'est un jeu de vases communicants où on va se manger, se cannibaliser les uns les autres. D'abord, je ne crois pas que ce soit exact. C'est-à-dire, la capacité d'entraînement
que nous représentons, aussi bien eux ici, le PTB, que nous en France, s'exercent sur des secteurs qui, de toute façon, ne veulent plus entendre parler de la gauche traditionnelle. Oh, oui, bon. Alors, la gauche traditionnelle qui refuse de se remettre en cause, préfère gémir, se plaindre et montrer du doigt d'une manière qui est assez inacceptable pour un esprit démocratique. Je vous pose la question, mais si on fait comme ça, alors pourquoi les Verts et les socialistes eux-mêmes sont-ils en deux partis? Pourquoi ils ne se fondent pas en un parti? On peut poser la question et on connaît la réponse. Ils ne le font pas parce qu'ils ne sont pas d'accord. Mmh. Et je ne connais pas assez la situation belge pour me prononcer sur les désaccords. Mais n'en faisons pas une affaire psychologique ou de compétition pour des parts de marché. C'est parce qu'il y a des problèmes de fond qui ne sont pas réglés. Je prendrai l'exemple français parce qu'en balayant devant ma porte, peut-être vais-je en même temps balayer devant celle des autres. Quelle est la situation ? En France, nous ne sommes pas d'accord sur le rapport à l'Union européenne et la manière de traiter cette... On va venir sur l'Union européenne un peu plus tard. On n'est pas d'accord. Oui. Nous ne sommes pas d'accord sur les institutions de notre République. Nous sommes, nous, pour le passage à une sixième. Les autres s'accommodent de la monarchie présidentielle. Nous ne sommes pas d'accord sur notre rapport au rôle de l'État dans l'économie. Nous, nous croyons à l'État stratège, à la planification écologique, pas eux. Imaginez-vous que dans ce pays meurtri, qu'est la France aujourd'hui, en état psychologique de détresse politique, où l'abstention culmine à jusqu'à 70% dans les élections locales, nous arrivions à leur dire, écoutez, c'était pas vrai, en fait, on se présente ensemble. Les gens diraient, vous êtes une bande de menteurs. Ouais. La démocratie a besoin de sincérité. De clarté, c'est ça, de quoi? De lisibilité. Écoutez, à un moment donné, il faut trancher, les citoyens sont responsables. C'est vrai que la situation n'est pas la même, vous avez un système... Ici, écoutez, la progression du PTB doit bien avoir une raison tout de même. Mais c'est vrai qu'ici, et alors c'est une particularité belge, c'est un système aussi proportionnel avec des coalitions où on est chaque fois où les formations politiques doivent s'entendre les unes avec les autres. Il y a beaucoup de compromis, de consensus à faire. Et encore une fois, on reproche au PTB de rester à l'extérieur et de ne pas mettre ses mains dans le cambouis, si vous voulez. Oui, non, mais ça, c'est... Donnez-lui la majorité et il mettra les mains dans le cambouis. Souriez pas. La majorité absolue, c'est compliqué. Alors donc, vous ne nous demandez pas de mettre les mains dans le cambouis. Vous nous demandez de nous compromettre. Mmh. Pas pareil. Oui. Compromis pas compromission, on dit souvent Raoul. Exactement. Est-ce que quand nous irions voir le Parti social-démocrate belge, qui a des vertus... Le Parti socialiste, Oui, le Parti socialiste. Alors, il nous dirait, écoutez, finalement, nous sommes d'accord avec vous, comme les partis l'ont été autrefois, le capitalisme est un problème. Moi, quand j'ai adhéré au Parti français, le Parti socialiste français, dans la déclaration de principe, il était dit qu'une société ne pouvait pas être vraiment démocratique si elle vivait dans le capitalisme. Allez expliquer ça aujourd'hui à Madame Hidalgo, vous appelez le SAMU, parce qu'elle tomberait raide morte, tellement ça lui paraîtrait exagéré. Donc vous voyez bien que ce qui est demandé, mais comme à moi, à Monsieur Raoul Hedbeau, on lui dit, écoutez, vous seriez magique si vous ne défendiez plus vos idées, vous cessiez d'être aussi direct... Et vous associez... Si vous n'étiez pas Raoul Hedbeau, nous adorerions Raoul Hedbeau. Ah. Et de même, en France, me demande-t-on de parler plus bas, de ne pas faire ci, de ne pas dire ça. Il y a une tendance, si vous voulez, chez les partis de la vieille gauche traditionnelle, en quelque sorte, à essayer d'effacer les autres, pas de convaincre. Mais le modèle capitaliste, ça c'est... Vous visez à l'éteindre alors, si vous arrivez au pouvoir, tant vous que le PTB, c'est la fin du modèle capitaliste que vous prenez, pour qu'on comprenne bien, parce qu'il y a toujours cette critique lancinante à l'égard du PTB, de dire voilà, ce sont les communistes, ils vont tout nationaliser s'ils arrivent au pouvoir. Non mais ça c'est absurde. Qui fait quand même peur aux classes moyennes. On est un pays de PME, de petites entreprises, et les petits patrons ils ont peur. Mais évidemment, mais tout ça est absurde. Moi en tout cas, je peux vous dire, je parle pour la France, je ne me suis jamais dit que j'allais nationaliser tout. Je dis pas ça, je dis il y a un intérêt général. Donc, pour avancer vers l'intérêt général, nous avons besoin de rassembler tous les moyens qui nous permettent d'y arriver. Pour parler encore plus simplement, nous faisons des propositions. On fait un sondage, on s'aperçoit qu'elles sont ultra majoritaires en France. Ces propositions, on a fait le sondage. Alors, les gens ont voté. Alors, vous arrivez avec votre programme, et puis vous arrivez à Bruxelles. Et on vous dit stop. On dit non. La Commission, elle vous dit non. Voilà. Bon. Monsieur Mélenchon, vous voulez mettre un impôt à la frontière de l'Europe pour les produits qui arrivent de très loin et qui sont carbonés et payés en dessous du tarif? Non, c'est interdit, parce que dans les statuts de l'Union européenne, il y a le libre-échange. Et ainsi de suite. Donc, ce que nous disons, le programme pour lequel vous voterez, les gens, sera appliqué
Point final. Ouais, ouais. Et alors c'est ça qui fait qu'on nous considère comme des extrémistes, juste parce que nous disons que nous respecterons la démocratie. Vous respecterez votre, voilà, votre programme, c'est ça. Là-dedans, il n'est pas que... Regardez mon programme, nulle part il est écrit, on va tout nationaliser. Oui, oui, c'est oui, l'inverse. Oui. Que je dis aux classes moyennes, sachant... Qu'est-ce que vous leur dites? Parce qu'il y en a qui ont peur, hein, de oui, voir... Oui, oui, mais je comprends ça. Ben, il faut dire que les autres font ce qu'il faut pour leur faire peur. Les classes moyennes sachantes ou le petit patronat, je dis écoutez, nous ce que nous vous offrons, c'est la visibilité sur le futur. Parce que la planification écologique vous permet de savoir de quel côté l'État veut aller. Et il y aura encore une place pour l'initiative privée si vous arrivez au pouvoir? En France, bien évidemment. Oui, oui. Bien évidemment. Enfin, ou alors, je devrais c'est dire pas, que... Tout n'est pas étatisé, c'est ce que je veux dire. Ah ben non, bien sûr que non. Ouais. Non, mais certains pôles seront... Certains pôles. D'abord parce qu'ils sont détruits. Prenons l'industrie du médicament en France. Ouais. Autrefois, ouais. 80% ouais. de concomsomol fabriquait nous-mêmes. Aujourd'hui, tout est perdu, c'est l'inverse. Donc il faut reconstituer un pôle public. Et si vous constituez un pôle public, ce sera soit avec des entreprises réquisitionnées, ouais. soit avec d'autres qui sont nationalisées. Mais je dirais à Sanofi... Quand vous avez de l'argent qui vient de l'État pour faire de la recherche, ils en ont beaucoup, eh bien je leur dirais, écoutez, nous ne vous donnerons pas d'argent pour trouver des molécules qui permettent que les cheveux blancs ne deviennent pas jaunes. Ouais, nous vous donnerons de l'argent pour trouver des molécules qui guérissent, fondamentales, qui passent quoi, des vaccins. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Donc, si vous voulez, donc certains pôles stratégiques seront étatisés ou encouragés ou nationalisés. Ici, alors, en Belgique, on parle de l'énergie, oh, du nucléaire. Tout, pas tout. Hein, il y en a beaucoup. J'en suis, bon, il y en a qui le bancaire, bon. La santé, l'énergie. Il y a des choses où il faut se dépêcher de devenir une propriété nationale. Je bon. Pense au bien commun. L'air et l'eau, ça peut, ah, aujourd'hui, voilà. à vous, ah, parce non, que vous êtes voilà, un jeune, oui, ça peut oui, vous oui. paraître étrange. Pas du tout, pas du tout, pas du nationaliser tout. Nationaliser l'air aussi. Et l'eau revient à dire, l'eau. Si vous l'abîmez, vous le réparez. Ah, pollueur-payeur, quoi. Pas, oui, mais pas, pour qu'il y ait pollueur-payeur, il ne faut pas que ce soit une règle vague qui dit, bah, écoutez, monsieur, vous avez le droit d'acheter des droits à polluer. Ou bien, écoutez, ah, monsieur, oui. Bon, d'accord, vous polluez, mais si vous voulez bien nous planter une forêt quelque part ailleurs, pour on ne vous en voudra pas. Okay. C'est-à-dire ah, bon le principe compte. De la compensation. Oui. Il faut maintenant avoir une attitude un peu rigoureuse, qui suppose un État stratège, évidemment un État démocratique, parce que vous ne faites pas une bonne planification si vous n'êtes pas appuyé sur les collectivités mais, locales. Et les... Mais pour ça, on peut vous rétorquer aussi que tout doit se décider à l'échelon européen. Les frontières nationales n'ont plus vraiment, ah bon plus vraiment de sens. On va parler de l'Europe dans un instant. On fait une petite pause et oui. puis on aborde ce volet-là. Et on est toujours avec Jean-Luc Mélenchon pour ce 50 minutes exceptionnel. On évoquait juste avant cette petite pause l'Europe. Vous êtes ici à Bruxelles, siège des institutions européennes. Évidemment, elle fonctionne mal, hein, cette Europe, si je vous écoute. Elle a été construite, vous savez, on dit l'Europe, mais il faut se rendre compte que l'Europe est un objet, si j'ose dire, qui a évolué dans le temps. Entre l'Europe des 6 ou des 12, oui, là, comme qui était du imaginée charbon, pour de l'acier, résister oui, bon, oui. à l'URSS, il ne faut pas raconter d'histoire. Si vous voulez, où la France était le pays géographiquement central, oui. et l'Allemagne était la frontière. Maintenant, c'est l'Allemagne qui se trouve géographiquement au centre, milieu, oui. et dans une zone d'influence que tout le monde connaît. Elle a donc beaucoup changé. Et puis, il y a eu le grand changement, c'est quand l'Europe est devenue idéologique. C'est-à-dire... avec la tentative de constitution de 2005, et puis ensuite les traités de Lisbonne qui ont été adoptés, qui décrètent une idéologie commune pour toute l'Europe. Un dogme libéral, quoi, c'est ça. Le libéralisme. Ouais, ouais, bon. Et qui l'a constitutionnalisé. Donc maintenant, vous êtes content, vous n'êtes pas content, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, soyez au nord, au sud, et pas quoi, poum, le libéralisme pour tout le monde. Ouais. Avec les mêmes méthodes, les mêmes recettes, partout. Alors, à l'époque, on a dit, justement... L'URSS s'est effondré, vous voyez bien que votre truc ne marche pas, comme ouais. si nous, on était partisans de l'URSS. Donc, ils étaient très contents. Et puis, maintenant, progressivement, à l'usage, on s'aperçoit que ces règles sont impraticables, dans la mesure où elles ne servent qu'à une chose, détruire les droits sociaux dans les pays. Elle a été une valeur ajoutée pour les Européens dans la crise sanitaire qu'on vient de traverser, l'Europe ou pas. On alors, a dit beaucoup sur la Commission qui avait pu négocier des bons deals avec les sociétés pharmaceutiques et faire baisser les prix, par exemple, Jean-Luc Mélenchon. Je vous vois déjà sur le déjà. Ah ouais. Non, mais sarcastique. Non, mais je ne suis pas sarcastique du tout. Je suis d'accord avec vous. Les prix ont baissé puisqu'on est passé maintenant. On a quasiment doublé le prix du vaccin. Donc, bon. On peut dire que les prix ont baissé. et qu'un vaccin qui coûte 60 centimes à la production est vendu 19,
ou 25. Deuxièmement, l'Union européenne ne dit pas ce qu'il y a dans les accords qu'elle a sur les vaccins. Non, c'est, troisièmement, c'est l'Union européenne fait de l'idéologie, ne veut pas du vaccin russe, ni du vaccin chinois, ni du vaccin cubain, parce qu'ils ont contre eux les pays qui sont là. Il n'y a pas des raisons sanitaires quand même là derrière, sur les vaccins chinois, russes et cubains. Si vous le dites, on va vous croire. Non, je vous pose la question. Mais moi je ne suis pas... Moi non plus. Bon, donc on en restera là. Mais non, on se dit que si la moitié de l'humanité se vaccine avec les vaccins chinois, c'est peut-être qu'ils ont une certaine efficacité. Oui. Bon, mais je ne veux pas entrer trop dans... Vous m'avez posé une question que je trouve pertinente, parce que c'était la mise au pied du mur. Un grand danger commun. Tout à fait. Qu'a fait l'Union européenne Vous voyez ce qu'il vous reste à me dire. La cafouillée. Il vous reste à me dire, les prix ont baissé. Puis je suis en deux secondes, c'est fini, votre argument est tombé par terre. Par contre, ce que nous savons, ils n'ont même pas été fichus d'expliquer un processus de confinement général. Confinement, déconfinement incroyable. Synchronisé. On n'a pas déconfiné aux mêmes dates, on n'a pas confiné. Et ceux qui confinaient parfois se faisaient rouler par ceux qui avaient besoin de leur main-d'œuvre. Je donne l'exemple des Allemands qui ont déconfiné, je crois que c'était des Bulgares qui étaient confinés, ou bien des Roumains, je ne sais pas, je m'en rappelle. Et qui ont pu aller bosser. Pour venir ramasser les asperges en Allemagne. Bon. Donc, ces gens qui là-bas avaient organisé un confinement ont vu 100 000 personnes quitter le camp. Mais là, est-ce qu'on ne met pas justement beaucoup de fautes sur le dos de l'Europe? C'est les États membres là, qui ont la main en politique de la santé publique. Elle a peu à dire, pour l'Europe, finalement. Pour la part qui lui revenait. Oui, elle n'a pas été fichue d'être... Primo. Segundo, elle aurait pu, c'était l'occasion de dire, bon, allez, on se réunit, puisqu'on a l'habitude de travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend? Par exemple, sur l'invention de techniques pour faire face à la pandémie, vous verrez qu'il y en aura d'autres. Technique médicale ou bien de quoi Des choses toutes simples. Est-ce qu'il y a assez de bonbons d'oxygène en Europe? De combien on en a besoin? Qui essaie de le produire et dans quelle quantité? Donc la planification. Aucune planification, même lâché libéral. Écoutez, j'ai appelé le président des patrons de mon pays, monsieur Roudebézieux, en pleine crise. Je lui dis, écoutez là, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes même plus capable de faire des masques en tissu? Il me dit, bah oui, mais personne ne nous a rien demandé, donc nous on s'organise. Et il m'a expliqué comment certaines entreprises s'étaient organisées pour produire, mais personne ne leur avait rien demandé. Pourquoi? Parce que monsieur Macron, qui est un libéral, comme la Commission européenne, pense que le marché va se débrouiller. C'est absurde. Alors, l'Union européenne a été en dessous de tout pendant cette crise sanitaire, et elle a une fois de plus démontré qu'à part organiser la concurrence libre et non faussée, elle ne sait rien faire. Il y a quand même eu des tentatives d'organiser. Alors, on va venir sur le pass sanitaire dans un second temps, mais le pass pour circuler, pour que les Européens, la libre circulation, c'est quand même des choses importantes qui ont été organisées aussi par et depuis la Commission. Je tente, je vous tends des perches pour que vous en disiez du bien, mais je vais avoir du mal, je crois. Oui, parce que si vous voulez, en même temps, je ne voudrais pas qu'on se trompe. Moi, je ne suis pas... Vous savez, ça va vite aujourd'hui dans la politique. Vous êtes pro-européen. Vous êtes caricaturé. Mais moi, je n'ai rien contre l'Europe. Je suis contre les traités européens. Vous êtes contre cette Europe-là, mais vous êtes pro-européen, si je vous lis bien. Écoutez, qu'on s'entende bien. Je suis pour la coopération la plus étendue, avec le plus d'États possible. C'est bien de le rappeler. Je ne suis pas d'accord pour assumer les folies qu'inventent des gens par pure idéologie, parce que pour l'instant, ceux qui se comportent comme des idéologues, c'est eux, c'est pas nous. Nous sommes des gens plutôt concrets, pratiques. Vous pouvez me dire, quel est le sens de se mettre tous d'accord pour aller chercher pouille aux Russes? Quel est l'intérêt pour un Européen de s'installer là-dedans? Que les Russes ont un régime qui ne nous plaît pas? Mais il n'y a pas que celui-là qui ne nous plaît pas. Et celui de la Hongrie, vous plaît à vous? Celui de la Pologne, il vous plaît? Pourtant, ils sont dans l'Union Européenne. Mais là, je vous rétorquerai que la Commission essaie justement de faire son possible avec la Pologne, avec la Hongrie. Là, il y a la Cour de justice européenne vient d'être saisie par la Commission sur le cas de la Pologne avec l'état de droit, l'indépendance de la justice. Donc, on essaye de balayer aussi. Je ne suis pas l'avocat de la Commission, mais ils essayent de balayer. ils essayent de balayer devant leur porte aussi, non? Ou pas non, assez ils sont totalement inefficaces. Et vous me posiez la question. Moi, je suis pour les coopérations avec tous les pays qui veulent coopérer. Mais il y a deux idées que je voudrais combattre. D'abord, l'idée qu'il faudrait obéir. Quand nos concitoyens nous élisent pour faire quelque chose, le devoir d'obéissance, il est à l'égard de la démocratie, pas d'une commission élue par personne. Et le droit en Europe d'opt-out, c'est-à-dire sortir de certaines politiques. Mais il existe. Aux Anglais, on avait mis l'opt-out social. Les Allemands sont en état d'opt-out permanent parce qu'ils font des excédents commerciaux que normalement l'Europe ne permet pas. Il y a 5 pays qui sont sortis de la Charte des droits fondamentaux. Écoutez,
Donc, il ne faut pas dire que dès lors qu'on dit « on n'obéira pas ouais. », on devient ouais. l'affreux ouais. petit canard ouais. noir ouais. Qui ne veut rien entendre parler. Alors ça, c'est intéressant. Jean-Luc Mélenchon, si vous êtes élu président de la République française en 2022, qu'est-ce que vous allez dire comment vous allez vous comporter par rapport à Bruxelles et par rapport à l'Europe, alors? Alors, d'abord, la première chose que vous ferez. Oui, oui, ben, la première chose, vous savez bien que ça ne se passe pas comme ça. Bon, il y a 100 jours. Alors, ça, ouais. Non, mais voilà ce que je peux dire de ma ligne politique. J'appliquerai le programme pour lequel j'aurai été élu. Et je suis conscient du fait qu'une partie de ce programme est interdite par les traités européens. Il ne plaira pas, oui. Au nom de la conférence, de la concurrence libre et non faussée, essentiellement. Bien, donc je dirai à mes partenaires, écoutez, je n'applique pas ça, je demande opt-out. Car une illusion très grande en Europe est de croire qu'on ne peut plus rien faire au niveau national. Mais pardon, si, on peut. Je vous donne un exemple. L'Europe supporte les glyphosates encore pour je ne sais combien de temps. À échelon national, nous pouvons interdire le glyphosate. Évidemment, il y aura une conséquence. Je ne veux pas non plus ruiner les paysans français en leur disant « nous, on ne prend pas de glyphosate, donc ce qu'on va faire va coûter plus cher, et les autres vont rentrer leurs produits. Donc, nous mettrons un protectionnisme écologique sur certains produits, donc, bien sûr. À la carte, vous prendrez les politiques européennes qui vous conviendront. Non, c'est eux qui devront prendre la France pour ce qu'elle est. Ouais. C'est-à-dire une puissance qui respecte son peuple. Alors, je sais que c'est nouveau, vous voyez. J'ai souvent fait la critique du gouvernement allemand. Mais j'en profite de la circonstance qui nous a donné pour dire le gouvernement allemand, lui, il a appliqué la politique pour laquelle il a été élu. Oui, 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 gouvernement de droite. Donc on ne peut pas leur reprocher d'avoir une politique de droite, puisque les Allemands élisent des gouvernements de droite auxquels participent les sociodémocrates, comme vous le savez. Mais par contre, on peut demander aux gouvernants français pourquoi eux n'ont jamais respecté le programme sur lequel ils étaient élus dès lors que Mme Merkel leur faisait les gros yeux ou la Commission européenne. Voilà, c'est assez simple. Je demande, l'impératif démocratique s'appliquera par la France. Et si nous avons des alliés, vous verrez comment on aura, peut-être vous pensez, les autres Belges. Vous pensez dans la rue, les Wallons éventuellement? Les Wallons ne sont pas un État qui siège en tant que tel non, à l'Union européenne. Non. Mais la Belgique, comme État-nation, a souvent été, notamment pour la part wallonne, disons les choses comme elles sont, extrêmement avancée. Quand M. Magnette prenait des positions contre certains accords internationaux comme le CETA, bon, bah, ça le rapprochait des positions de ce que vous avez appelé tout à l'heure l'extrême-gauche. La gauche radicale, parce que c'est notre position. Le refus du Mercosur que nous affichons, nous ne voulons pas accord. Oui, bon, il n'est pas encore acté. Normalement, vous verrez, il y aura plein de pays. L'Italie en a par-dessus la tête, quel que soit le gouvernement de droite ou de gauche, d'être continuellement obligé d'aller s'excuser au niveau de la Commission Jean-Luc Mélenchon, si vous prenez les commandes, les rênes de la France, vous serez attentif à la situation des francophones, par exemple, ici en Belgique. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes aussi communautaires avec les Flamands, que le pays est parfois au bord de la scission, sans vous aventurer évidemment dans les méandres de la politique belgo-belge, mais il y aura une bienveillance vis-à-vis de ces francophones. Que les choses soient bien claires, on respecte les nations avec lesquelles, telles qu'elles sont constituées en Europe, on ne va pas non plus commencer à les mettre les doigts là-dedans. Bon, donc la France, moins qu'une autre, peut se permettre ça. Mais il est certain que, de mon point de vue, Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis, il y a d'abord une attention particulière à la francophonie, dont mon projet est d'en faire une francophonie politique et une francophonie des peuples. Alors ça veut dire d'abord une manière d'être très présente, très ouverte, par la communauté de la langue. Aujourd'hui, vous savez que les dirigeants français n'hésitent pas à parler anglais et affectent une attitude que, pour ma part, je juge ridicule, comme par exemple que M. Macron ait décidé de donner le secrétariat général de l'organisation francophone à une anglophone du Rwanda, pays qui a supprimé l'enseignement du français. Donc, je trouve ça ridicule et je suis pour passer à une francophonie plus active, plus politique, avec des grands projets communs francophones. Et je dis aux gens, écoutez bien, la francophonie est un moyen de se créoliser, c'est-à-dire de faire converger des cultures. Ok, de se créoliser. Et elle est d'une certaine manière alternative à d'autres formes de créolisation, anglophone et ainsi de suite. Profitons-en. La langue française n'appartient pas aux Français. Elle appartient à ceux qui la parlent. À ceux qui la parlent, Mais voilà. Et donc, c'est vrai que du coup, ça me crée un lien particulier avec les francophones, les Wallons. D'abord, parce que sans aller plus loin, je dirais que je suis un peu l'actualité belge. Oui. Je vois bien comment mes amis et camarades me disent « Écoute, nous, en toutes circonstances, ce qu'on fera prévaloir, c'est l'intérêt général des travailleurs, plutôt que le déchirement sur des questions linguistiques. » Et donc, par respect pour eux,
je me garderai de commenter. Mais... je veux quand même dire que je ne suis pas du tout indifférent à la Wallonie et au futur de la Belgique dans ce domaine. Voilà. Ouais. C'est une attitude, disons, amicale. Ouais. Jean-Luc Mélenchon, on a parlé de l'Europe. Là où l'Europe était complètement absente, c'est en Afghanistan. On vient de voir ce qu'on a vu avec le retrait américain, des troupes américaines en Afghanistan. Et se pose notamment la question de la migration, hein, des flux migratoires qu'on annonce aux portes de l'Europe. Il n'y a pas de politique nouveau européenne en la matière. C'est quelque chose qui vous inquiète, ça puisque vous on êtes... retombe, comme en 2015, dans une crise de l'asile et de la migration. Alors... D'abord, commençons par dire une première chose. Nous sommes aujourd'hui l'anniversaire du... nous avons eu dimanche l'anniversaire du 11 septembre. Bon, le 11 septembre a donné lieu à l'intervention en Afghanistan sous prétexte de représailles. Tout le monde sait aujourd'hui que ce ne sont pas des Afghans, mais c'était des Saoudiens qui étaient dans derrière, le commando. Et il est à peu près évident que l'intervention en Afghanistan était essentiellement motivée par des raisons économiques, les pipelines, le gaz et tout ça. Bon... Mais la séquence de 20 ans, qu'en avons-nous fait? Pendant 20 ans, nous avons détruit les libertés un peu partout, au nom de la lutte contre le terrorisme, propagé des guerres un peu partout, sans aucun autre résultat que celui que nous venons de voir à Kaboul, une déroute totale et épouvantable, parce que personnellement, je n'y trouve aucun plaisir, même si j'avais beaucoup fêté la défaite des Américains au Vietnam, ce n'est pas le cas cette fois-ci. Il n'y a rien à fêter. Déjà, prenons acte de ça pour dire qu'il y a peut-être intérêt à changer de méthode. Ensuite, est-ce qu'il y aura une vague migratoire? Sur la question migratoire. Oh, pour l'instant, on ne le sait pas. Non. Hein, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut arrêter de faire de gesticulations. Tous nos pays, le vôtre, le mien, par exemple, sont tenus par les accords qu'ils ont signés en 1951, donnant le droit aux personnes qui sont menacées dans leur existence du fait de leurs opinions, etc., l'asile. À être accueillies. Alors, la discussion n'a pas de sens. Nous sommes obligés par nos accords. Sauf si on décide de changer ces accords. Oui, il y a intérêt à faire vite. Ah, oui, hein? Oui, bon, oui. Si on veut les changer. Alors, par conséquent, commençons par ne pas nous faire peur. De quoi parlerions-nous s'il y avait une vague? La seule question qui se pose, c'est que nous ne pouvons pas refouler les gens. Par conséquent, nous serons obligés, au titre du droit d'asile, de les accueillir. Comment répartissons ça? Non, ça ne peut plus continuer que seuls les pays du Sud fassent le travail. Chacun doit prendre son, ses quotas. Ou alors, ou alors il faut dire, écoutez, nous on n'est pas d'accord, ou je ne sais pas quoi. Mais tout le monde jette de grosses larmes sur la situation, à juste titre, des réfugiés afghans. Bah, après, il faut faire son devoir. Et puis écoutez, nos sociétés, si elles s'en donnent les moyens... Elles peuvent facilement... intégrer, assimiler, C'est compliqué des fois. C'est d'autant plus compliqué quand on a des politiques migratoires absurdes et quand l'immigration fait l'objet d'une ségrégation géographique épouvantable, on met tout le monde au même endroit, donc on crée des ghettos et pas du tout, on ne fabrique pas de la nation, on ne fabrique pas du peuple. Dans d'élite, Alors moi, je suis un universaliste et un créolisateur, alors donc voilà. Je ne suis pas d'accord avec ces enfermements communautaires. On marque une petite pause et puis on poursuit avec Jean-Luc Mélenchon. Et dernière partie de notre entretien avec Jean-Luc Mélenchon, député La France Insoumise à l'Assemblée nationale, chef de la France Insoumise, pardon, à l'Assemblée nationale, autant pour moi. Président. Jean-Luc Mélenchon, il y a une question, un débat qui anime beaucoup en France, mais un peu partout en Europe, c'est le cas ici en Belgique, c'est celle du pass sanitaire. Ouais. Comment vous prononcez-vous vis-à-vis de ce pass sanitaire? Alors, commençons par dire une première petite chose pour détendre le téléspectateur. Je suis vacciné. Ah, voilà. Ouais. D'accord. Ça, c'est dit. Comme ça, c'est dit. Je sais que ça ne me protège pas à 100%, mais ça diminue le risque. Donc, j'estime que rationnellement, j'ai fait un choix opérationnel pour moi, qui suis un homme de 70 ans. Bien. Alors, ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a dit ça, on peut peut-être parler de ce qui est vraiment en jeu, c'est le pass sanitaire. Ouais. Le pass sanitaire, je suis contre. Et je voudrais vous dire pourquoi. Il répond à une illusion. Vous, moi, on a notre passe sanitaire dans... Alors, on pourrait se dire, c'est fait. Bah, problème. Vous, moi, vaccinés, nous pouvons continuer... Transmettre. ...à transmettre le virus. Par conséquent, nous sommes obligés de considérer que le passe sanitaire ne nous protège pas. Non. Donc, à quoi sert-il? Je peux vous dire quelle est la conséquence du passe sanitaire. C'est les contrôles partout,
c'est le fichage généralisé, c'est dans le monde du travail, en tout cas en France, des décisions absurdes, comme la possibilité de licencier des gens qui refusent de se faire vacciner ou d'avoir le pass sanitaire. C'est-à-dire qu'ils refuseraient d'aller se faire tous les jours un test. Mais ce pass est un outil pour faire progresser la vaccination, justement. Ah bon, donc c'est bien ce que je dis. C'est un outil. Oui, c'est... Il s'agit de faire peur aux gens, pas n'importe quoi. Hein. Vous ne pouvez plus entrer ici, vous ne pouvez pas entrer là, là vous allez être contrôlé. Et si vous êtes au travail et que dans votre entreprise, on vous dit, monsieur, madame, pass sanitaire ou la porte, vous êtes obligé de faire ce qu'il faut pour avoir plus de... C'est parce que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de meilleur outil que ça pour faire progresser la vaccination. Dans des régions comme Bruxelles, on stagne à des niveaux alors, de vaccination très faibles. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, monsieur? Je croyais que la démocratie, c'était mieux que l'autoritarisme. Alors, non, c'est un outil. Les sociétés autoritaires. Donc le vaccin obligatoire, vous êtes contre aussi, alors? Mais la vaccination obligatoire. D'abord, je vais vous dire une chose. Je ne vois pas pourquoi les politiques devraient avoir un avis scientifique. Et je rappelle que ceux qui se sont risqués à ce genre de bêtises dans le passé, ça a donné des résultats catastrophiques. Donc, moi, qu'est-ce que je fais dans un domaine qui n'est pas ma spécialité? Je regarde ce que disent les grandes institutions mondiales. Dit l'Organisation mondiale de la santé? C'est qu'on ne peut rendre obligatoire des vaccins que lorsqu'ils ont connu une phase d'expérimentation suffisante. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux convaincre que contraindre. Mais écoutez-moi là, soyons sérieux. Convaincre que contraindre. Est-ce que vous venez de me répondre? Faut contraindre. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était un outil. Voilà, un outil. Bon. Comme vous dites, oui, la matraque aussi, c'est un outil pour faire aux gens ce qu'on... Mais donc, comment on fait pour faire progresser ce taux de vaccination? Regardez comment on fait les Espagnols. Mais on n'y arrive pas. Non, mais vous ne faites rien. C'est normal que vous n'y arrivez pas. Si. Qu'est-ce que vous faites? Allez-y, dites-moi. En Belgique? Oui. Il y a tout un dialogue qui est... Mais non, ça ne marche pas, hein, en région bruxelloise. Ça marche pas. Ça marche en Flandre, ça marche en Wallonie, ça marche pas à Bruxelles, parce qu'on n'arrive pas à convaincre certains publics d'aller. Il faut remonter les manches et vous mettre au boulot. Je suis pas responsable des politiques publiques bruxelloises. Non, mais je vous dis pas ça à vous. Mais je veux vous dire que ne me racontez pas d'histoire. Ça marche pas, c'est parce qu'on fait rien. Point. Donc il faut se retrousser les manches et aller convaincre. Et les Espagnols ont montré que c'était possible. Il faut un peu être européen de temps à autre pour les bonnes idées. Ouais. Alors, les Espagnols, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, voilà, les publics qu'il faut absolument convaincre, les personnes les plus âgées, etc. Ils ont formé des petits groupes qui vont toc 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 à la porte des gens. Allô, on vient vous parler, on va vous expliquer ceci, cela, etc. Voilà. Et donc essentiellement sur le pass sanitaire, donc il y a un problème de liberté individuelle. Si je vous entends bien, Jean-Luc Mélenchon. Si vous voulez, à part la contrainte et tout ça, on peut peut-être inventer autre chose. Moi, je suis partisan du fait que vous compreniez bien que nous vivons dans une société promise aux pandémies. Parce que la cause de la pandémie n'est pas annulée. Et la cause de la pandémie, quelle est-elle? La zoonose, c'est-à-dire le transfert des virus des animaux sauvages aux animaux domestiques, aux êtres humains. Avez-vous entendu dire qu'on arrêterait de couper un seul mètre carré de forêt dans le monde? Malheureusement, non. Est-ce qu'on va supprimer les élevages intensifs? Non plus. Non. Donc, tant que ce n'est pas fait, prenons nos dispositions. Société du roulement, tout le monde part pas au boulot à la même heure. On ne s'attaque pas aux causes. Dédoublement des classes. Ensuite, épurateur d'air, de purificateur d'air dans toutes les salles de classe et les lieux publics. Ouais. Vous n'avez jamais connu ça. En raison de votre âge, je ne vous en fais pas le reproche à vous. Non, merci. Quand j'étais gamin, je suis né à Tanger, voyez-vous. Nous étions en des pays où il y avait une circulation virale et des maladies qui était terrible à l'époque. Depuis, les Marocains sont plutôt en tête de la manière de traiter les problèmes. Mais bon, donc on ne prenait pas un légume sans l'avoir mis dans le permanganate de potassium. L'eau devenait violette et on montrait à moi, petit garçon, ah tu vois, c'est comme ça qu'on fait. Il faut apprendre à vivre dans les nouvelles conditions. Alors on ne va pas passer notre vie à confiner, déconfiner, reconfiner, à menacer tout le monde et à surveiller tout le monde. Donc un nouveau mode de gestion de vie. On organise la société différemment. Et ce n'est pas, pas le cas pour le moment, ce n'est pas pris en main. Vous allez voir, je vous en fais le pronostic, pour l'instant, vous ne voyez rien des conséquences profondes sur la psychologie collective et les raisons matérielles de la pandémie. La pandémie va venir, vous allez le voir éclater sous le nez. D'abord, on est en état d'urgence sociale, des tas de gens plongés dans la misère. Imaginez-vous notre tête à nous, Français, quand on a vu tout d'un coup dans la rue des files d'étudiants qui avaient faim et qui venaient à la soupe populaire. On s'est dit, mais alors, à la reste du temps, comment ils vivent? Donc, nous avons tous découvert, pour ceux qui ne s'en rendaient pas compte, les abîmes de souffrance qui sont contenus dans la société néolibérale. Et celle-là,
Vous ne pouvez pas continuer à construire nos sociétés sur de telles inégalités, sur de telles violences sociales. Mmh. Donc allez, apprenons à vivre autrement. Pas vos parents ne vivaient pas comme vous, ni comme moi. Non, voilà. Quoi, il faut se mettre en phase avec les... Faut se remettre en cause, changer ses manières d'être, de consommer, de vivre, et ainsi de suite. Mais... pas tout croire qu'on a réglé, parce qu'il y a un fichu bout de papier qui s'appelle passe sanitaire, et ça y est. Sur l'état de la société française, Jean-Luc Mélenchon, elle va mal, la France, au jour d'aujourd'hui ? Ça me coûte de le dire, mais oui. La société française, elle est historiquement construite autour de l'État et autour des grands réseaux. Mmh. Et tout ça a été détruit par le néolibéralisme. Donc nous sommes devant une société qui est en voie de pulvérisation. Éclatée, quoi. Complètement éclatée, fracturée, fragmentée. Puis alors on a un président de la République qui nous invente des conflits tous les 10 jours, là, pour se disputer entre nous. Et nous commençons à avoir des signaux forts de désagrégation de la société qui nous rend comparables aux sociétés des Amériques. C'est la situation qu'il y a, notamment dans ma ville, Marseille, puisque c'est elle qui m'a élu député, où vous avez des situations de règlement de compte entre des bandes. De dénuement social, etc., qui rappellent certaines zones de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique du Nord. Donc il est temps de renverser le cours de l'histoire, et je ne crois pas que vous autres Belges, vous soyez si loin de tout ça, parce que vous vivez les sociétés fragmentées, en dépit du fait que vous avez eu des statuts sociaux qui souvent étaient extrêmement avant-gardistes. L'extrême droite en France, Marine Le Pen, la possible candidature d'Éric Zemmour, c'est des choses qui vous interpellent alors. Elles sont très classiques dans les grandes, pour ceux qui connaissent l'histoire, dans les périodes de crise. Je résume. La droite, il y en a toujours eu. Puis elle a toujours eu une droite populaire. Il faut arrêter de raconter des histoires. Qui est assez faible pour le moment en France. Elle existait, elle était là. Et je peux vous dire que même dans les bureaux de vote où ça votait très à gauche, il y avait des gens de droite. Enfin, c'est une démocratie ouverte, la France. De droite ou d'extrême droite ? Que s'est-il passé ? Droite, parce que essentiellement, la grande lame est venue de la droite, de sa radicalisation. Et puis ensuite, ça a entraîné les secteurs des enfants. Des générations de gauche, d'enfants... c'est vrai aussi, ça l'a pris. Mais essayons de comprendre pourquoi. La droite a habilement joué son rôle. Son rôle, c'est de trouver quelque chose qui rassemble derrière elle. Si, simplement, il venait vous dire « Monsieur, je vais baisser votre paye et puis je vais gagner davantage. » Leur fortune s'est accrue. Ouais. Bon, alors, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, ils viennent et vous disent « Dites, c'est moi qui vais vous protéger, parce que votre voisin a une drôle de tête. Et l'autre, là-bas, il a une religion bizarre. » Ils font ça à chaque génération. On a connu ça bien des fois. Donc, ils sont à nouveau dans ça. Et ils ont marqué des points. Pourquoi ? Ben, parce que la peur, c'est un lien social. Ouais, donc la droite ? C'est la peur. Ils n'ont que ça à vendre. Et nous avons été... Je parle des gauches traditionnelles. Moi-même, j'ai été membre du Parti Socialiste pendant 30 ans. Bien sûr. Nous avons été incapables de proposer une alternative à ça. Voir nos dirigeants, je pense à François Hollande, se sont vautrés dans le néolibéralisme. Ils ont voulu montrer qu'ils étaient les bons élèves. C'est eux qui ont fait des lois contre le code du travail. Ouais, donc ils sont responsables aussi, c'est ça que vous dites. Droite-gauche, même combat. Rien n'est tombé du ciel. Hein. Oui. Nous sommes tous les auteurs de notre destin. Mais ça, c'est une rhétorique qu'on entend quand même aussi à l'extrême droite, hein, Jean-Luc Mélenchon, en disant droite-gauche, c'est kiff-kiff bourricot. Non. Hein on l'entend quand même. Hein. Bah, d'abord, à l'extrême droite, ils ne disent pas kiff-kiff bourricot. Moi, oui, parce que je suis un pied noir, mais eux, non. Oui, mais ils ont une manière de dire droite-gauche, c'est pareil. Moi, ce que je vous dis, c'est que la gauche à laquelle j'ai appartenu et que j'ai fini par quitter s'est trompée, a renoncé à l'inspiration collectiviste qui était la sienne. Je continue à croire que le collectif est plus fort pour répondre aux crises que le seul individu isolé. Je tiens historiquement le point d'équilibre délicat, un petit chemin de crête entre le collectif et la liberté individuelle, parce que, comme humaniste, j'y suis attaché. Okay. L'extrême droite, c'est pas son sujet. Ouais. Eux, ils disent, c'est tout du pareil eux-mêmes, donc on les envoie tous en prison, je sais pas ce qu'ils comptent faire avec les gens. Ce n'est pas du tout le même discours. Moi, je dis, il faut plus de liberté. Moi, je dis, il faut accepter que, quelle que soit la religion des gens, ils sont égaux en droit. Et s'il faut aller encore plus loin et être plus clair, je suis contre la politique qui consiste à stigmatiser et insulter les musulmans, comme je l'ai vu faire. Parce que c'est une aberration. Vous ne construirez pas la nation belge. Vous ne construirez pas la nation française les musulmans. Les uns contre les autres. Vous comprenez ? Voilà pourquoi il n'y a aucun parallèle possible entre eux et nous. Nous sommes... Alors après ça, oui, c'est vrai qu'on a deux bras les uns et les autres. Et sur le système médiatique, vous avez souvent été critique du système médiatique en France, Jean-Luc Mélenchon. Vous n'aimez pas les médias ?
Vous les aimez pas ? Le contraire, je les aime tellement que je supporte pas ce qu'on en a fait. Ah, oh. Moi-même, j'ai créé des journaux. Vous avez un air de la rhétorique, quand même, de renverser les questions qu'on vous pose. Hein. J'ai moi-même créé des journaux, des radios. Je suis un homme des réseaux sociaux, ma chaîne sur YouTube. Vous cartonnez là, sur les réseaux sociaux. Et 550 000 abonnés, c'est la plus grosse chaîne politique de YouTube. Bon, donc faut pas dire, vous n'aimez pas les médias les journalistes, sont de parfaits. Vous n'aimez plus ce qu'ils sont devenus, c'est ça. Mais écoutez, en France, alors c'est pas le cas en Belgique où vous êtes très décontracté, mais nous non. Nous, 90% des médias appartiennent à 9 personnes. Si vous trouvez que c'est une situation supportable, voyez-vous, moi, on me dit, oui, mais c'est l'indépendance des médias qui est en cause. Mais pas du tout. Ce qui est en cause, c'est la pluralité des médias. Comment se fait-il que tous racontent la même chose, tout le temps, sur tous les sujets? Oui, mais ils vous tendent le micro régulièrement, vous pouvez vous exprimer. Il n'y a pas de boycott de Jean-Luc Mélenchon, boycott médiatique, non, mais alors, ça, il n'y a pas. Je devrais m'alarmer que quand il y a boycott. Non, mais est-ce que quoi? Écoutez, vous êtes vous-même un intellectuel, ne racontez pas d'histoire. Mais quand tout le monde raconte la même chose, il y a un problème. Vous savez, il y a une pensée unique du monde médiatique, c'est ça que vous dites, y a en France. Une pensée unique et qui se propage d'une manière très simple. Le propriétaire désigne le chef, qui désigne le sous-chef, qui désigne le chef suivant, et jusqu'au dernier lampion. Oui. Bon, et voilà comment une idéologie devient dominante dans les médias. La question est de dire, est-ce qu'on traite moins bien la France insoumise dans les médias en France qu'on traite d'autres formations politiques? Oui, bien sûr, ça c'est statistiquement constaté. Ok, bon. Le service public français est une espèce de haut-parleur, un répondeur automatique du pouvoir gouvernemental, mais c'est pas ça le sujet pour moi. J'affronte d'abord le système médiatique en tant que deuxième peau du système économique. Mmh. Il est là pour la légitimer, la tenir en place. Mais en même temps... Ça, c'est quand même un gros cliché, ça. Hein? Ben, non, le cliché, c'est vous. Le système média n'est pas là pour légitimer le système politique en place. Ben, c'est pas de... J'ai pas ça, vous avez pas entendu ce que j'ai dit? J'ai dit le système économique. Vous êtes contre le capitalisme, vous-même? Moi, je suis... Oui, vous en savez rien. Ben voilà. Ni pour ni contre. Pourquoi? C'est le système dans lequel on fonctionne, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Alors vous avez le droit de répondre ça, mais moi, comme militant politique... Vous pouvez pas. J'ai le droit de... Non, mais c'est pas que je peux pas, c'est que je veux pas. Mm-hmm. Je ne veux pas laisser croire aux gens que ce système est le seul possible et que c'est l'état de nature. J'ajoute une chose, quand on dit les médias, ça ne veut rien dire. Non seulement, globalement, c'est un effet de système, mais vous prenez un journal, quel qu'il soit en France. Oui. Prenons un journal de centre-droit comme le grand quotidien Le Monde. Non. Bon. Il est de centre-droit, mais regardez l'édito d'aujourd'hui, et je suis d'accord avec, il dit, mais les 20 ans qu'on vient de passer, ça a été une série de stupidités. Donc, il faut nuancer. Pas nuancer, mais savoir reconnaître où est le point. Les cahiers de ce même journal sont souvent passionnants. Mm-hmm. Vous pourrez prendre d'autres exemples dans la vie de la presse française, avec qui j'ai des échanges. Oui, donc tout n'est pas noir sur le tableau médiatique. Tout n'est pas noir. C'est un espace qui est encore heureux et poreux, monsieur. En France, il n'y a pas de Pravda, il y a des Pravdounettes. Il y a des Pravdounettes. Dernière question. Vous savez qu'il y a une série télévisée qui a fait connaître votre personnage ici en Belgique, celle de Baron Noir. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je n'ai pas tout regardé. Je connais l'auteur de cette série. Un des auteurs, Eric Benzekri, qui est un esprit brillantissime, il m'a transposé dans ses propres catégories politiques. Ouais. Pour lui, au-delà de l'Union de la Gauche, il n'y a rien. Ouais. Donc, d'abord, je suis très flatté d'être représenté par M. Morel. Ah, qui est un grand acteur. Ni la conclusion, ni les déroulements ne me concernent vraiment. Mais c'est très bien joué, c'est bien pensé. Eh bien, merci Jean-Luc Mélenchon d'être passé sur le plateau d'Hélène 24. 50 minutes avec Jean-Luc Mélenchon, c'était passionnant. Merci, bonsoir à vous.